Et bonjour les gens, ici Yakipon pour une rotation de League of Legends. Alors, cette semaine en champion gratuit, nous avons droit à Aatrox, épée des Darkin. Aatrox joue en tant que top. Il est vraiment bon vu qu'il a énormément de vol de vie. Vous me dites, ouais, d'accord, une Ignite et c'est fini. Mais oui, mais non! Parce qu'en fait, Aatrox, il fait mal de base. Et plus il tape, plus il charge sa passive pour pouvoir ressusciter avec encore plus de points de vie. Donc attention à Aatrox. Ashe, archère de givre. Ashe se joue en tant qu'AD Carry. Son but sera de glacer les ennemis pour qu'ils n'avancent pas beaucoup ou très très lentement. Et comme ça au moins, ben, elle peut les tuer, Ashe. Parce qu'elle a un cône. Elle a un cône de flèche qui est obligé de toucher même si vous êtes derrière des creeps. Parce que c'est complètement buggé. Caitlyn, shérif de Piltover. Caitlyn est aussi un AD Carry. Et elle possède une grande portée, donc essayez d'en profiter pour pouvoir placer des tirs sur vos ennemis sans qu'eux ne puissent vous toucher en retour. Généralement, c'est cool. Vous attendez votre petit tir dans la tête, là, la passive, et vous leur mettez juste dans la tronche. Gratos, c'est cool. Karma, sagesse incarnée. Karma se joue en tant que mid ou en tant que support. Elle est vraiment bien en tant que support vu qu'elle peut faire des boucliers. Et elle peut stun les gens aussi si on fait un lien entre elle et l'ennemi. Et en plus, elle peut faire chier avec beaucoup de A, des A et des A encore plus loin. Kha'Zix, faucheur du néant. Kha'Zix se joue en tant que mid ou en tant que jungler. Je sais pas s'il s'en sort dans la jungle actuelle, mais moi non, je pense qu'il peut y arriver. Ce qui est bien avec Kha'Zix, c'est que si les gens sont tout seuls, eh ben vous avez un bonus pour les frapper. Donc n'hésitez pas à aller dans la jungle ennemie, à vous cacher et à faire l'assassin à deux balles. Nidalee, chasseresse bestiale. Nidalee se joue en tant que mid et top. Mais top, c'est cool parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut sauter partout. Ce qui est bien avec Nidalee, c'est qu'elle peut faire des lances. Et plus les lances elles vont loin, plus elles font mal. Donc profitez-en, ça fait mal. Rengar, fier tracker. Rengar se joue en tant que jungler. Lui non plus, je ne sais pas ce qu'il donne dans la nouvelle jungle, mais je pense qu'il peut y arriver facilement. Parce que ce qui est bien avec Rengar, c'est que vous faites 5 sorts et après vous avez droit à un gros sort. Généralement, vous faites votre Z, parce que votre Z, il rend de la vie. Voilà. Sona, virtuose de la harpe. Sona se joue en tant que support. Et Sona, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle peut soigner. Et quand elle fait un soin, elle fait un mini bouclier. Donc vous êtes quasi invincible au bot. En plus, quand elle fait des A, vous augmentez les dégâts de votre AD Carry et vous faites mal. Donc profitez-en, c'est cool. Talon, l'âme des ténèbres. Bon, j'arrête. Talon se joue en tant que mid et c'est un gros assassin. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il se téléporte derrière la cible. Ce qui peut permettre d'esquiver beaucoup de bursts venant d'un mage normal. Ce qui est bien avec Talon aussi, c'est son ulti. Il peut devenir invisible et donc personne ne peut déduire là où il est. Yasuo, disgracié. Yasuo se joue en tant que mid lui aussi. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, je sais pas, moi je trouve qu'il est un peu. Ils ont un peu fumé sur les bords quoi. C'est-à-dire que ce type, il a beaucoup de chances de critique. Donc à la fin, ben, il est à 100% et il vous éclate la tête quoi. Mais bon. Généralement, Yasuo, ça demande de l'aide chez d'autres personnages, genre Shogat, Janna, des trucs qui bum, comme ça, au moins il peut faire son ulti quand il veut. Et voilà, nous avons terminé avec cette rotation. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez voir Ralga le jeudi dans Regarde dans le rétro. Et vendredi, on a un point sur l'actu avec Jacques. Sinon, ben, je fais toujours des vidéos, hein, venez les voir sur la page League of Yakipon. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, gros bisous les gens et ciao ciao.